Salut toutes et tous. Oh, il est mignon mon billet. Hein? Mais c'est pas de ce billet-là que je vais vous parler aujourd'hui. Hop, hop, hop. Je vais vous parler du billet du mois. Mais c'est pas du tout celui-là. Pourtant, celui-là, il est très beau. Hein? Mais non, 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 non. C'est d'un autre billet. C'est le billet le plus vendu dans le monde actuellement, ce mois-ci. Et c'est surtout celui qui a été le plus commercé. Et je vous dis tout après le générique. Générique! La Banque populaire de Chine vient d'émettre deux billets pour les 24e Jeux olympiques d'hiver de Pékin, qui se sont tenus du 4 au 20 février 2022. Parmi ces deux billets, il y a le billet du mois, car c'est le plus acheté, le plus commercé et le plus revendu. C'est celui dédié au sport de glace. Il est réalisé sur un support polymère, tandis que l'autre, qui n'est que troisième de notre classement, représentant un skieur, sur le thème des sports de neige, a été imprimé, lui, sur papier. Ils font tous les deux une taille de 70 sur 145 mm. Et oui, c'est lui le billet du mois. Cette coupure est en polymère. Description du recto, en texte chinois, emblème national de la RPC. Le logo de Pékin 2022, des patineurs artistiques féminins et masculins, une chaîne de montagne et une partition musicale en ovie. Au verso, texte en mongol, tibétain, ouïghour et zhuang. Cube de glace. À l'intérieur du Centre national de natation de Pékin. Pas de fil de sécurité, pas de filigrane non plus. Tirage 200 millions d'exemplaires et ce billet, qui est le billet du mois, ne vaut que 7 euros en moyenne. Bons achats! Il ne faut pas confondre le billet du mois en polymère avec les deux patineurs. Avec un billet aussi sur les JO de Pékin 2022, mais qui lui est en papier. Il n'est que troisième au niveau des ventes mondiales. Au recto, texte en chinois, emblème national de la RPC, saut à mi-hauteur du skieur acrobatique, et le logo de Pékin 2022. Au verso, texte en mongol, tibétain, Ouïghour et Zhuang, site de saut à ski à Pékin, la Grande Muraille de Chine, flocons de neige en verre ovie, fil de sécurité solide avec vin démétallisé et un filigrane Bing Duan Duan. Vous connaissiez déjà mes vidéos sur la pièce du mois. Maintenant, il y aura en plus, tous les mois, la rubrique Billets du mois. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, car je vais vous faire découvrir des billets extraordinaires. Et si vous aimez les trucs et astuces sur les pièces de monnaie et les billets, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et pourquoi pas soutenir ma chaîne et valoriser mon travail? Pour ça, il faut simplement cliquer sur le bouton Rejoindre. Vous choisissez votre catégorie. Ça va de 2,99 où je toucherai 1,70 à beaucoup plus si vous êtes milliardaire.